Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons pour qui tu es. Nous t'acclamons pour tes œuvres merveilleuses dans nos vies. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu et que tu nous reçois dans ta maison. Oui, nous sommes honorés, nous sommes joyeux, nous poussons encore des cris de joie. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de rival dans les cieux et sur la terre. Nos vies t'appartiennent, Jésus. Nos vies t'appartiennent, Jésus. Et c'est un privilège pour nous d'être appelés enfants de Dieu. C'est un privilège pour nous d'être les enfants de celui qui a créé la terre et les cieux. Quelqu'un me fait monter un parfum d'action de grâce vers celui qui a donné sa vie pour nous. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et nous venons dans ta maison le cœur ouvert et les mains levées en signe d'abandon. Alléluia, alléluia. Nous nous livrons totalement, maître de nos vies, souverain roi. Nos mains levées, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut,
que tous les sauts venant. Je ne sais pas, c'est quel nom, je ne sais pas. Oh, il n'y a que lui seul prenne la place, que lui seul prenne la place, et maintenant. Challenge que tu as laissé à la maison, il s'efface parce que le roi de gloire fait son entrée. Oh, que tous les autres reculent, que tout s'efface parce que lorsqu'il vient, je viens avec sa gloire, il prend toute la place. Ah, ne t'inquiète pas, que tous les autres noms maintenant. Il se meurt
lieu de. Oh, et nous ne ferons rien sans lui. Jésus, tu prends ta place. Oui, tu la mérites et bien plus encore. Jésus, tu prends ta place. Toi, il n'y a point d'autre Dieu. Parce qu'après toi, il n'y a rien d'autre. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es tout. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. Le commencement est la fin. Le commencement est la fin. Oh, quelqu'un commence à réaliser que nous dépendons de lui. Oui, nous dépendons de toi. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. 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 Ma forteresse, ma gloire. Admirable conseiller, le propriétaire de ma vie. Oh, tu es tout pour moi. Veux crier de joie, veux démonter les paroles de
chose. C'est toi qui es notre source. Papa, apprends-nous à savoir que tu es notre Abba. Tu es le commencement de toutes choses. Tu es le commencement de la vie. Et nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te connaître. Nous voulons recevoir. Le commencement, c'est toi la parole. Au commencement était la parole. Parle-nous par ta parole. Enseigne-nous par ta parole. Dirige-nous par ta parole. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement, ça veut dire à l'alpha, au commencement, au tout départ, était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toi l'alpha qui est la parole, toi l'alpha qui est la parole, parle-nous, enseigne-nous tes voies. Alpha, la parole, donne-nous tes recommandations. Ô Esprit de Dieu, aide-nous à recevoir ta parole et à l'appliquer. Je t'en supplie, que tout ce qui est distraction, tout ce qui veut nous éloigner de ta parole s'éloigne de nous. Donne-nous ta parole, accorde-nous ta parole. Toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, bâtis en nous ta vie, bâtis en nous ton caractère, bâtis en nous tes valeurs. Seigneur, nous entamons à partir d'aujourd'hui ce nouveau point en ce qui concerne la cinquième bénédiction. Ô Dieu des cieux, celle qui nous donne la victoire contre les adversaires. Seigneur Dieu, enseigne-nous tes voies, je t'en supplie. Que ce mois soit un mois de victoire sur l'adversité. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Une dernière fois, Alpha Omega. Tout est possible. Alpha.